All power. Peut-être pour commencer en tant qu'enseignant en prison, que pour moi, l'évolution au niveau carcéral dit beaucoup, peut-être un point de référence sur comment la société en Belgique, je parle, donc évolue, et c'est peut-être une évolution qu'on voit aussi au niveau européen, c'est-à-dire que depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, on assiste à une explosion carcérale. Donc si vous savez que les années 80, on avait 5500 détenus en Belgique. En 2012, en 2013, on en a 12 000. Donc c'est doublé tout simplement. On a une explosion carcérale aussi au niveau de la construction des prisons. Tout ça passe comme une lettre à la poste. Moi, je trouve que ça n'inquiète pas les mouvements sociaux ou les partis politiques, ce qui est pour moi très inquiétant. Et on est arrivé à un point où en 2015, on va ouvrir des sections spéciales dans les prisons destinées spécialement aux djihadistes et à ceux qui font du prosélytisme dans les prisons, au niveau de l'islam, bien sûr. Dans ce chiffre, l'évolution de 5000 détenus à 12000, bien sûr, on souligne aussi que 40% de ces détenus sont d'origine étrangère. Et donc le thème du transfert et de l'expulsion des détenus d'origine étrangère, comme on dit, ça se pose de plus en plus aussi pour résoudre l'impasse carcérale dans laquelle on se trouve. Donc vous pouvez lire ça dans l'accord gouvernemental 2014. Pour moi, ça dit beaucoup sur l'évolution de la société qui se passe de manière lente et invisible, mais qui est là sûrement. Et moi, je plaide pour que le mouvement social, disons, de manière large, prenne cette affaire plus au sérieux, parce que c'est quand même le contrepoids de la destruction sociale à laquelle on assiste au niveau de la société. Ben, pour moi, une rencontre comme ceci, ça interpelle avant tout, dans le sens que je ne sais pas répondre à la question: quel sera l'effet, quelle sera l'influence de tous les événements auxquels on assiste aujourd'hui pour les générations futures? On ne sait pas. Il y a beaucoup d'interrogations. Oui, quelles seront les conséquences pour nos enfants, nos petits-enfants, pour ceux qui viendront après nous? On est peut-être encore trop près des événements pour évaluer tous ces événements auxquels on a assisté ces derniers temps aussi à leur juste valeur. Donc, quand on entend en France qu'il y a des voix qui disent que les 20 000 personnes qui ont fiche S, qui doivent être internées, qui doivent être mises en détention préventive, quand on sait qu'il y en a 800 en Belgique de ce genre, donc où ça va nous amener? On ne sait pas. Est-ce que ça va être une situation comme on a connu aux États-Unis après les attentats? On ne va pas discuter sur leur culpabilité ou pas de Sacco et Vanzetti. Aux États-Unis, où on a attaqué le mouvement anarchiste en faisant des perquisitions chez des milliers de personnes d'origine italienne, où on les a arrêtés, où on les a mis en prison sans procès, détention sans comparution, mise au secret pour beaucoup d'expulsions. Est-ce qu'on va assister à des scénarios comme ça une fois qu'il y aura encore une fois un attentat quelque part? Est-ce qu'on assistera à des situations comme on a connu en Irlande du Nord, où on a connu l'internement de toute une partie de la population catholique républicaine pendant ce qu'on appelait « the Troubles » en Irlande du Nord dans les années 70-80. Donc là, on a mis tout simplement, par exemple, 2000 personnes sans procès, sans inculpation,
en prison, est-ce qu'on se dirige vers des situations pareilles? Je pense qu'il n'y a personne entre nous qui peut le dire. On peut juste constater une évolution qui est là. Peut-être qu'on ne sait pas non plus évaluer notre propre approche. Comment on réagit ou on ne réagit pas. Peut-être qu'on est aussi trop près pour pouvoir juger de nos propres erreurs, de notre propre manière de s'y prendre pour répondre à la situation à laquelle on assiste. Donc pour moi, il y a beaucoup d'inconnus, et je sais que je ne voulais pas beaucoup avec ça, il y a beaucoup d'inconnus dans le sens Guantanamo, le fait que ça existe toujours, que ça existe depuis 2002, et que ça laisse indifférent le monde entier pour l'instant, parce qu'il y a encore 100 pauvres qui sont là pour toujours, indéfini. Donc, quelle influence ça a pour l'évolution de notre société, quand on voit, oui, que l'idée de faire des prisons de haute sécurité, cette idée, elle se ferait un chemin chez nous. Les sections spéciales, ça se ferait un chemin et tout. Donc, beaucoup d'inconnus. Et moi, je suis aussi très, très hésitant pour coller des étiquettes sur ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, j'ai entendu dans un exposé qui était admiré de Badiou, que j'aime d'ailleurs beaucoup, il dit, oui, les djihadistes, ce sont des fascistes, comparables à ce qu'on a connu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je suis très hésitant à ça. Est-ce que ça nous n'évite pas de juger des situations concrètes, d'où elles viennent et comment elles se sont produites? Donc, peut-être on doit moins utiliser des étiquettes qu'on a connues il y a 30-40 ans. Et pour finir ce point d'interrogation, moi je pense que le peuple, parce que j'ai rencontré quand même aussi beaucoup d'amis qui disent « Oui, mais il n'y a pas de mobilisation, hein, on voit trop peu de monde. » Mais peut-être que le peuple, il attend. Et il est patient en disant « On va voir ce qui se passe. » On doit voir les éléments concrets. Et c'est bien que nous, on se mobilise, bien sûr, et il faut. Mais je pense qu'il y a aussi cette idée d'attente. On va voir. On va. Et ils vont réagir. Ça aussi, moi, j'en suis convaincu. Si vous permettez, je voulais juste, pour moi, pour l'évolution en Belgique, parler de trois années spécifiques qui, pour moi, sont extrêmement importantes pour comprendre l'évolution. Il y a trois années, disons, qui expliquent pour moi l'évolution actuelle. C'est-à-dire, la première année, c'est 2003, où tu as vraiment le tournant de la Belgique vers la guerre extérieure. Deuxièmement, il y a pour moi l'année 2009, où on a vu un soutien populaire à Gaza, contre l'agression israélienne contre Gaza, qui était une année très importante à ce niveau-là, de réaction populaire, de mobilisation populaire, et la réaction de l'État à partir de cet événement-là. Et troisième année, c'est 2015, où je pense qu'on assiste vraiment à un tournant de la Belgique vers la guerre intérieure. Donc, voilà quelques mots sur ces trois années. 2003 a commencé par Louis Michel, qui était à ce moment-là ministre des Affaires étrangères, MR, qui a dit qu'il ne voulait pas qu'il y ait une nouvelle guerre contre l'Irak. Donc, il faisait partie de ce que Rumsfeld a appelé à ce moment-là la vieille Europe. Un peu l'hésitation avec la France et l'Allemagne qui disaient non, on ne veut pas de nouvelle guerre contre l'Irak. Bien sûr, l'Afghanistan, tout le monde était pour, mais non, pas de nouvelle guerre contre l'Irak. Donc, il a déclaré ça à RTL dans des émissions et tous les autres partis, CDH, etc. Tout le monde disait oui, c'est vrai, on ne veut pas de guerre, etc. Ce qui s'est passé en mai 2003, donc quelques mois après, c'était que
Il y a eu des procès contre, d'abord, ça c'est la fin des années 90, contre Sharon pour son rôle à Sabra et Shatila, et contre des responsables, des généraux et des responsables américains pour ce qu'ils ont commis comme crime pendant la guerre contre l'Irak. C'était le général Franks, pour être précis. Donc il y a 18, je crois, Irakiens qui ont déposé plainte en Belgique sur base d'une loi qui était votée unanimement par le Parlement en 1993. C'était la loi de compétence universelle. C'est-à-dire, c'était unique dans le monde. En Belgique, on avait cette loi qui disait que n'importe quel auteur, de quelle nationalité qu'il soit, et à n'importe quel endroit, pouvait être poursuivi en Belgique pour crime contre le droit international humanitaire. Donc, au moment où en Belgique, cette plainte est déposée contre le général Franks et autres, il y a eu une réaction violente de la part des Américains. Il y a une réaction violente des Américains en disant deux choses. Un, on va retirer l'OTAN de Bruxelles. On ne mettra plus un pied à Bruxelles tant que cette menace contre les Américains existe. C'est littéralement, vous pouvez le lire, c'est comme ça. Et deuxièmement, le port d'Anvers ne sera plus notre port si on doit faire exporter des marchandises, etc. Donc on va boycotter Anvers. Donc ça, c'était les deux menaces qui ont été répétées systématiquement par les Américains. Résultat, en août 2003, le Parlement belge retire la loi de compétence universelle. Donc, il y a quelques organisations militaires qui ont réagi à ça. Mais pour ceux qui ont des doutes qu'on peut changer une loi, qu'on peut obtenir l'abrogation d'une loi, ben la preuve, elle est là. En quelques mois, c'était réglé. Non, c'est vrai, en quelques mois, c'était réglé. Donc là, l'année 2003, c'était l'année de la capitulation, de la soumission de la Belgique, mais alors là, complètement aux ordres américains et israéliens. Parce que bien sûr, avec Sharon, vous pouvez bien imaginer la réaction. Pour finir l'année 2003, c'est important de signaler qu'en mai 2003, le Maroc a voté les lois antiterroristes. Après les attentats de Casablanca, le Parlement belge a voté les lois antiterroristes, les premières lois, en décembre 2003. J'ai cherché encore ce matin pour avoir juste les votes, mais ils disent à quasi-unanimité. Je crois qu'il y a eu deux abstentions, mais je ne sais pas qui. En tout cas, c'était aussi vote complet. Donc ça, c'est l'année 2003 où on a vu le tournant complet de la Belgique vers la guerre extérieure. 2009, il y a le 31 décembre 2008, il y a eu 10 000 personnes qui ont manifesté à Bruxelles contre l'agression israélienne contre Gaza. Le 11 janvier, 40 000 personnes sont descendues dans la rue à Bruxelles. C'était des familles avec des enfants. On les voit toujours, ils marchaient avec des enfants à la main. On se dirigeait vers la manif. C'était une manifestation extraordinaire, mais qui avait comme signal aussi le soutien à la résistance de Gaza, c'est-à-dire soutien au Hamas, soutien à l'FPLP, soutien au djihad islamique. Et donc là, je vais vous dire qu'il y a eu un grand moment d'effroi au sein de toute la classe politique en Belgique et dans la presse en disant là, l'ennemi intérieur, il est là, il a manifesté. Et donc, vous pouvez vérifier ça dans la presse, aussi bien du côté francophone que néerlandophone. C'était hallucinant les réactions sur la démonstration islamiste à Bruxelles à ce moment-là. Il y a Nordine qui a organisé un débat avec les partis politiques en janvier de cette année 2009, où on a démasqué qu'en fait, tous les partis politiques belges, au moment de l'agression israélienne contre Gaza, ont voté la continuation de vente d'armes à Israël.
il y avait une salle de 700 personnes, il y avait 300 personnes qui ne pouvaient pas entrer. Tous ces partis ont été hués. C'était en janvier 2009 aussi. Il y a eu l'appel pour le retrait du Hamas et des organisations palestiniennes de la liste européenne des organisations terroristes, lancé par Nadine Lozaroso, Diapa Boujaja et quelques autres, qui a eu un grand, une répercussion. Il y a combien de minutes encore, cinq. Donc il y a le lancement de la campagne pour la défense d'Ali Arras contre l'extradition de Nizar Trabelsi. Il y a eu des représentants du Hezbollah au Parlement à ce moment-là. Donc, la réaction de la classe politique et des services secrets et policiers en Belgique a été une réaction de dire « Ben voilà, l'ennemi intérieur, il est là » et ils ont réagi en lançant quelques frappes pour éliminer des personnes. Je parle de Mohsin Mouedem qui a été licencié de son job en tant que présentateur à la radio Almana en janvier 2009. Il y a Diapa Boujaja qui a eu interdiction de voyager vers l'Angleterre, donc belgo-libanais. Ça, c'était en avril 2009. J'ai été exclu de prison en juillet 2009 pour raison de sécurité. Il y a la femme de Nordin Tawil, imam d'Anvers, qui a été interdit d'être encore femme. Garde-maison. Gardienne à domicile pour des enfants parce que son mari était accusé d'être un salafiste par le chef de la sécurité publiquement à la télévision. Il y a Nordin Saïdi qui a été exclu du MRAX en novembre 2009. Et à partir de fin 2009, début 2010, il y a eu les déchéances de nationalité qui ont recommencé pour la première fois depuis 60 ans en Belgique. Donc depuis 60 ans, on n'a pas connu de déchéance de nationalité en Belgique. En 2009-2010, ça a commencé par un Belgo-Tunisien. Je passe vite vers à 2015, où au moins le vote de la loi de juillet 2015 de déchéance de la nationalité officialise le fait que non seulement il y a des citoyens de seconde zone dans ce pays à qui on peut reprendre la nationalité, mais désigne aussi officiellement l'ennemi intérieur. Il est à trouver là. Et donc tout ce qu'on connaît autour, c'est-à-dire le nettoyage de Molenbeek, après c'était le nettoyage de la zone du canal, etc. Donc on sait très bien sur quoi on se focalise aujourd'hui. Et contrairement à la France, où au moins on a eu un débat public autour de cette question, en Belgique on n'en a pas eu. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant, et encore moins si les gens du peuple sont au courant, mais donc cette loi a été votée sans aucun vote contre. Donc ça c'est l'attitude de la classe politique en Belgique sur un thème qui était pendant 25 ans le thème de l'extrême droite en Belgique. C'était le Front Bloc et le Front National, déchéance de la nationalité. Après 2014, les partis de la droite traditionnelle et démocratique, comme on dit, ont repris les mêmes thèmes. MR, CDH, le CDH, il n'était pas, les MR en tout cas, donc le NVDA. Voilà, bon. Et donc le pas a été fait en 2015 où ça a été officialisé. Maintenant, pour une minute. Non, quelques idées peut-être pour dans le débat qu'on a ensemble. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que, un, il faut faire entendre la voix du peuple en donnant la voix à des personnes qui ont une voix mais qu'on ne veut pas entendre. Donc, je trouve ça, par exemple, à travers donner une voix aux mamans de ceux qui sont partis en Syrie, par exemple,
faire écouter ça. On va publier les lettres d'Ali Arras et le journal de Farida. On va publier, voilà, essayer d'influencer, de faire entendre une voix qui va à contre-courant et qui vient du peuple, avec le soutien de tout ce qu'il y a comme intellectuel autour de tout ça, mais en soutien. Deuxièmement, je pense que les rencontres comme ceci, c'est extrêmement important. Il faut qu'on continue ça, et c'est bien que Saïd a salué l'intensité avec laquelle on travaille ici. Je plaide aussi, dans ce cadre des rencontres, avec, par exemple, les communautés en Irlande du Nord, qui ont vraiment traversé des périodes qui sont comparables à ce qu'on est en train de préparer ici. Et finalement, je pense qu'il faut se soutenir dans les luttes qu'on mène. Et par exemple, l'affaire de la construction de la prison de Haren, je pense que c'est un thème très important autour de laquelle il faut s'unir aussi et ouvrir des portes à d'autres luttes et à d'autres combats. Voilà. Thank you.